Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait. Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au fils tout pouvoir pour juger afin que tous honorent le fils comme ils honorent le père. Celui qui ne rend pas honneur au fils ne rend pas non plus honneur au père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a vie, comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile de ce jour se situe à la suite de celui d'hier. Hier, nous avons vu Jésus guérir un pauvre paralytique, quelqu'un qui avait fait 38 ans devant la piscine de Bethsada. Et après avoir guéri ce monsieur le jour du sabbat, les pharisiens et les juifs ont commencé à persécuter Jésus, car personne n'a le droit de faire une guérison le jour du sabbat. Alors, aujourd'hui, Jésus s'adresse aux juifs et il leur dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Ainsi, moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Qu'est-ce que Jésus veut par là dire? Jésus veut aider les pharisiens et les scribes à rentrer à l'esprit même du sabbat. L'esprit du sabbat, c'est lequel Dieu, après avoir créé le monde en six jours, s'est reposé le septième jour. Et le, et le sabbat a été institué comme une loi éternelle. Un jour pendant lequel on doit soigner trois relations. Premièrement, la relation avec Dieu. Le sabbat, c'est le jour où les juifs devaient aller au temple ou aller à, la, aller à la synagogue, écouter la parole de Dieu. Et le jour des fêtes, aller au temple pour les sacrifices afin d'être en bonne relation avec Dieu. Le sabbat, c'est le jour où on doit soigner sa relation avec son prochain. Le sabbat, c'est le jour où les hommes doivent prendre soin de leurs femmes, de leurs enfants, de leur famille. On doit visiter ses proches, les gens qu'on aime. Et le sabbat, c'est le jour où on doit soigner sa relation avec soi-même. Et la première façon, c'est de s'abseigner, de travailler, de trouver le temps de se reposer, de se relaxer, afin de d'avoir assez de force pour recommencer le travail les jours qui vont suivre. Voilà le sang du sabbat. Les juifs ont tellement compliqué le sabbat que pour eux, le sabbat est devenu un fardeau pour le peuple. On avait le droit de ne rien faire le sabbat, même pas le bien. Alors Jésus dit, mon Père est toujours à l'œuvre, même le jour du sabbat, Dieu est à l'œuvre et il l'a l'œuvre en faisant le bien. Le jour du sabbat, Dieu continue à faire lever son soleil sur tous les hommes. Le jour du sabbat, Dieu continue à faire pleuvoir la pluie sur les hommes et sur les plantes, sur la terre pour l'arroser et l'irriguer. Le jour du sabbat, Dieu continue à donner son souffle afin que les hommes puissent respirer et vivre. Dieu est toujours à l'œuvre. Il est toujours en train de faire le bien, même le jour du sabbat. Alors le Fils de l'homme qui a l'image de Dieu, qui est l'image parfaite du Père, fait aussi le bien tout le moment, même le jour du sabbat. C'est pourquoi le jour du sabbat, le Fils de l'homme n'hésite pas à guérir quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que l'œuvre qui ne s'arrête jamais, même le jour du sabbat, c'est l'œuvre du bien, un bien inspiré par l'amour. Alors, mes frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de cet évangile Nous pouvons retenir que nous ne devons jamais nous fatiguer de faire le bien. Nous ne devons nous, jamais nous fatiguer d'aimer notre prochain, d'aimer sincèrement, pas seulement en parole, mais en action concrète, en bonne action. Aimer notre prochain en faisant le bien. Et nous pouvons briser toutes les lois du monde entier pour vous que notre seul désir, c'est de faire le bien aux pauvres. Faible. Notre seul désir, c'est de rélever celui qui tombe. Voilà la nouvelle loi que Jésus institue en ce jour, la loi de l'amour et la loi du bien. Cette parabole, cette, cette, ce, ce commentaire de Jésus nous renvoie également à la parabole du samaritain, le bon samaritain. Pendant que le prêtre et le lévite voient ce pauvre monsieur qui était tombé sur la rue et qui gisait dans son sang et évite de le toucher, peur d'être souillé, car la loi juive disait justement que lorsqu'un touche le sang, il est impu pendant sept jours. Et s'il est un prêtre pendant ce temps, il ne peut pas offrir le sacrifice. Le lévite et le prêtre allaient à Jérusalem offrir le sacrifice Lors, lorsqu'ils ont vu ce monsieur qui était tombé sur les dents, qui était tombé sur les griffes des bandits. Et ils avaient peur de toucher son sang pour être impu et ne pas pouvoir offrir le sacrifice. Mais le Samaritain, le bon Samaritain est venu, a vu quelqu'un qui souffre, il a oublié toutes les lois, il s'est mis à genoux et s'est mis à le servir. Voilà ce que le Seigneur nous dit le servir. Le service de Dieu dépasse toutes les lois. Si tu es entré derrière la messe, mon frère, et tu vois quelqu'un qui est en train de juger dans son sang, n'hésite pas à laisser la messe et à secourir ce monsieur. Car c'est ça l'Évangile sauver l'homme, mettre l'homme debout. Voilà pourquoi Jésus est venu. Demandons au Seigneur de donner la grâce d'être toujours à l'œuvre, de faire le bien jour et nuit, sans jamais nous fatiguer, sans jamais nous décourager. Loué soit Jésus-Christ.